Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Cette semaine, l'équipe a posé ses caméras au Parc des Oiseaux. Implanté au cœur de la Dombe, cet espace naturel de 35 hectares propose un tour du monde ornithologique et botanique. Ici, on fait donc la part belle aux rencontres en immersion. Les oiseaux sont à portée de main. 300 espèces sont représentées, des plus rares aux plus surprenantes. Pour comprendre cet univers, trois soigneurs ont accepté d'être nos guides d'un jour. Débutons avec Jérémy qui nous attend en Amérique du Sud. Bonjour Jérémy, ça va ? Bonjour, bien et vous ? Alors, première étape ici, où est-ce que nous sommes ? Alors ici, nous sommes dans le bâtiment des colibris, la nouveauté de l'année dernière. Et ici, plus exactement, on va être dans le Nectarium. Nectarium, alors quelle région du monde on est là ? On voyage où ? Alors ici, on se situe dans les tropiques, en Amérique du Sud. Alors, bienvenue en Amérique du Sud avec une espèce assez rare, les colibris. Alors, quelle est la spécificité de cette espèce ? Alors, les colibris, la spécificité de l'espèce, ça va être leur mode de reproduction, ça va être aussi leur mode de nourrissage, puisque ce sont des oiseaux qui se dépensent énormément. Il faut savoir qu'un colibri peut battre environ 200 fois ses ailes par seconde. Et justement, il va dépenser énormément d'énergie. Et on doit lui apporter de la nourriture, comme le petit biberon que je viens de poser juste derrière, qui se compose de nectar. Et ils vont avoir un nourrissage le matin, tout de suite quand j'arrive. La première chose que je fais, ça va être de les nourrir. Un autre nourrissage à midi, et le soir, on va même doubler la dose pour être sûr que les oiseaux tiennent toute la nuit. Qu'est-ce qu'il faut comme élément dans le terrarium pour qu'ils puissent bien vivre en fait ? Comment est-ce qu'on reconstitue un microclimat, on va dire, d'Amérique du Sud ? Alors c'est sûr, il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment l'humidité. On doit avoir une certaine humidité dans les terrariums, aussi la température. Et on a recréé aussi avec des panneaux luminants le crépuscule et la nuit qui tombe pour vraiment recréer leur milieu type dans leur milieu naturel. Alors, c'est une chose plutôt rare. J'ai cru comprendre que c'était quand même un challenge pour le parc des oiseaux d'avoir ce genre d'animaux. Pourquoi, en fait ? C'est sûr. Alors, parce que déjà, c'est très peu représenté en parc animalier. C'est aussi très compliqué à reproduire, notamment ce fait avec la femelle qui va accepter le mâle que seulement à une certaine période. Ensuite, il faut que les œufs soient fécondés et l'élevage est très compliqué. Il y en a très peu au monde qui arrivent à les élever, par exemple, en nursery à la main. Généralement, ça se fait que naturellement. La femelle va prendre énormément avoir besoin pendant cette période de protéines. Et nous, on va amener ça grâce à des drosophiles. Donc les drosophiles, on va mettre des petits pots avec des fruits en décomposition. Ces drosophiles vont se nourrir de ça. Et les oiseaux vont les chasser. C'est vraiment un complément, ils en font énormément pendant cette période d'élevage. Et aussi, c'est des oiseaux qui sont difficiles à maintenir. Puisque comme je le disais, il faut vraiment avoir une humidité, une température au top pour les garder. Merci beaucoup, Jérémy. Bonne visite. Au quotidien, 3000 oiseaux cohabitent dans le parc. Chaque espèce vit dans son environnement, comme dans le bush australien. Inauguré il y a tout juste 15 jours, cet espace a nécessité 5000 heures de travail, l'installation de plus de 5000 espèces végétales et d'une vingtaine d'espèces animales, dont les nouvelles mascottes du parc, que va nous présenter Laurent, responsable de la zone. Laurent, changement de décor, on est dans le bush australien après l'Amérique du Sud. Et ben voilà, on est carrément de l'autre côté de la Terre. Alors justement, comment est-ce qu'on réussit à amener l'Australie ici dans la Dombe ? Eh ben, en faisant différents aménagements, effectivement, le parc de plus en plus fait en sorte d'aménager au niveau paysager les différents sites. Le bush existait déjà, mais il a été totalement requalifié, effectivement, en faisant vraiment un effort sur l'aspect paysager pour effectivement recréer visuellement le continent, enfin, on va dire l'Australie. Hein. Alors, quels sont les critères de ce bush australien ? Qu'est-ce qu'on doit retrouver absolument ? J'ai vu 2-3 didgeridoo, des boomerangs. Voilà, certains animaux sont quand même exceptionnels. Effectivement, alors... des animaux qui sont vraiment typiques de l'Australie. L'Australie, c'est un pays où il y a beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui vivent vraiment qu'en Australie. Donc des animaux emblématiques, ça va être bien entendu les kangourous, les wallabies, les cacatoès. On pourra également observer les casoars, hein, qui sont vraiment typiques
de l'Australie. Alors c'est quand même un challenge parce qu'on sait que l'Australie est dans l'autre hémisphère, donc les saisons sont complètement inversées. Comment ça, vous, en tant qu'animalier-soigneur, vous gérez ça? Est-ce qu'il y a un travail spécifique ou non? Ces animaux sont déjà habitués? Comment ça Alors, se passe? Ces animaux, en fait, sont déjà habitués. Hein, la plupart étaient soit déjà présents au parc des oiseaux, soit viennent d'autres parcs européens. Après, par contre, on peut constater chez certaines espèces un décalage au niveau de la saison de reproduction. C'est le cas chez les cygnes noirs, par exemple, qui vont nicher chez nous en plein cœur de l'hiver. Hein. Donc, ils respectent en fait là, le cycle de l'hémisphère sud. Et au niveau des températures, on sait très bien que dans la Dombe, ce n'est pas les températures australiennes. Comment ça se passe là aussi? Alors, c'est clair. Après, les animaux sont acclimatés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude effectivement de nos conditions, puisqu'ils sont nés sur le continent européen. Après, il peut y avoir certaines adaptations, effectivement, en fonction des hivers plus ou moins rudes qu'on va pouvoir avoir. Donc certains animaux peuvent être rentrés si besoin, mais là ça dépend véritablement de chaque espèce. Laurent, à quand les crocodiles dans cet espace? C'est pas prévu, non? Avec les oiseaux, c'est... Mais il y en a un, figurez-vous qu'il y en a un. Alors c'est un faux, hein, bien entendu, mais effectivement, pour recréer une immersion un petit peu plus totale comme ça, on peut observer effectivement dans un bassin un crocodile. Alors, on va peut-être pas dire que c'est un faux. On va laisser un petit peu le suspense pour les visiteurs. On va aller chercher. Je vais faire une photo, comme ça on dirait que c'était un vrai. D'accord. Ok, très bien. Allez, parfait, on continue. Le parc accueille 500 naissances par an et participe au programme d'échange et de sauvegarde des espèces. Un engagement pour la biodiversité expliqué aux 280 000 visiteurs annuels, notamment lors du spectacle. Le temps de rejoindre la Seine, direction la Loire, où les Ligériens se mobilisent pour la propreté de leurs berges. Sur les bords de Loire, ce samedi matin, des coureurs et des volontaires armés de gants et de sacs poubelles. Allez les enfants, il y a une équipe qui part à droite et une à gauche. Mission de la matinée, allez, nettoyer les abords du fleuve en Andrézieux-Boutéon. Des canettes, du fil de pêche, des restes de pique-nique et quelques trouvailles plus insolites. J'ai fait une grosse découverte, je vais pouvoir me mettre à mon compte. Un barbecue, une tronçonneuse, des bouteilles, des plastiques, un peu de tout quoi. Enfin... Ce que les gens, ils aiment pas chez eux, et puis ils les jettent chez les autres. Organisée par les chasseurs et pêcheurs du département, l'opération Loire Propre a permis de récolter 8 mètres cubes de déchets. C'est 2 de moins que lors de l'édition précédente en 2015. Il est vrai que cette année, au vu des premiers ressentis sur le terrain, il semblerait qu'on ait moins de déchets. Alors, deux solutions, parce qu'en effet, il y a réellement moins de déchets ou alors les gens ont enfin compris ou admis qu'il fallait trier et pas jeter dans la nature ses propres déchets. Et pour ramasser ces déchets, il faut parfois être capable de se faufiler, voire de se mouiller. À l'image de ce club de pêche de Saint-Étienne, ils connaissent bien les lieux. Pourtant, aujourd'hui, ils ne vont rien ferrer, si ce n'est quelques détritus. L'occasion aussi de faire passer un message. Quand on va à la pêche, on emporte du matériel qui est lourd, on est chargé. Quand on a fini sa partie de pêche, on s'en est servi. La morse, elle est dans l'eau. C'est pas à peine de laisser le papier. Écoute, il est très léger, on peut le remporter là, dans une poubelle, dans un coin ou dans son coffre de voiture, on le pose à la maison. À l'occasion de cette opération, une quinzaine de zones ont été nettoyées dans la Loire le temps d'une matinée. Nous sommes de retour au parc des oiseaux à Villars-les-Dombes dans l'Ain. Situé entre Bourg-en-Bresse et Lyon, cette réserve naturelle est une plongée dans le monde ornithologique. Il est 13h, les stars du parc se préparent pour donner un spectacle. Rencontre avec leur soigneuse responsable, Flore. Bonjour Flore. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir un petit peu avant le spectacle. Je sais que vous avez pas mal de choses à faire et surtout vous êtes venue accompagner. Alors qui est cette... Eh bien c'est Julie. Julie donc fait partie du spectacle. C'est un araruana et elle est là depuis tout le début. Donc voilà. On est vraiment dans les coulisses du spectacle. On a quelques minutes de la scène. Alors en quoi consiste votre rôle? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors moi je suis responsable du spectacle. Voilà. On est une équipe de plusieurs soigneurs animaliers. Donc qui nous occupons des oiseaux. Donc la base de notre métier, bah, évidemment, c'est prendre soin de nos oiseaux, les nourrir, entretenir leur volière. Et puis après, nous, on a un petit avantage, c'est-à-dire on a l'imprégnation et on a le droit, du coup, bah, d'avoir un petit lien privilégié avec eux. C'est pour ça que Julie, par exemple, bah, je peux la toucher un petit peu. La cajoler, voilà. Et elle est proche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse imprégnation? Alors, l'imprégnation, en fait, ça se fait à la nurserie.
Lorsque les petits en fait sortent de l'œuf, le premier individu qu'ils voient, ils vont l'identifier comme leurs parents. À la nurserie, le premier individu qu'ils voient, c'est nous. Donc, on est leurs parents. Voilà. Donc, c'est comme ça que ce lien privilégié va déjà s'établir. C'est un lien visuel, olfactif, ou tout mélangé visuel. Visuel. Ils nous voient et ils savent, voilà, c'est nous les parents. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, on a ce premier lien qui facilite après le travail, parce qu'on travaille du coup en confiance. L'oiseau sait qu'on fait partie de sa famille, donc quand on va lui demander quelque chose, ça va être quelque chose qui va être agréable, ça va pas être quelque chose de désagréable. Voilà, donc il y a déjà ce lien qui est fait. Et justement, durant le spectacle, comment ça se passe? Alors, à quoi faut-il s'attendre quand on s'installe dans cette magnifique arène? Alors, nous, notre spectacle, en fait, ce qu'on a désiré faire, c'est montrer des espèces qu'on ne voit pas partout, déjà, dans un premier temps, et essayer de les montrer lors d'un vol libre. Voilà. Nos oiseaux, certains, on ouvre les portes de la volière et on les laisse voler. Voilà. C'est un peu le principe, en fait, ici, du spectacle. C'est vraiment le vol libre d'oiseaux. Voilà. Et est-ce qu'il y a un petit peu de pédagogie derrière tout ça? L'idée, c'est de se dire, quand les enfants quittent cet enclos, ou même les adultes, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils doivent se dire en sortant? Alors, ce qu'on aimerait qu'ils retiennent, c'est devant la beauté en fait, des oiseaux, devant leur vol, leur diversité, mais qu'ils soient sensibilisés à ça. Et forcément, si on est sensible, si on les trouve beaux, on a envie un petit peu de protéger l'environnement pour que ces oiseaux, dans la nature, ils existent réellement et qu'ils puissent s'épanouir. Donc, la protection. On espère qu'après, ils soient sensibilisés, oui, à la protection de l'environnement et puis qu'ils fassent attention un petit peu à tout ce qui leur entoure. Et puis ça peut être même aussi chez eux, faire attention aux mésanges, aux hirondelles, poser des nids, des choses comme ça. On espère que juste de voir des oiseaux voler au-dessus d'eux, bah, ils aimeraient peut-être chez eux, dans leur jardin aussi, avoir des oiseaux qui sont chez eux, qui volent un petit peu au-dessus d'eux aussi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis je crois que Julie, bah, va falloir aller sur scène parce que le public t'attend. Voilà. C'est parti? Allez Julie. Oh non, elle va rester là, elle est bien. Je veux si elle peut, elle reste, Julie. Julie, si elle pouvait, elle resterait tout le temps sur le point, elle est contente comme ça. Cet été, le Parc des Oiseaux proposera plusieurs temps forts. Dès fin juin, concerts et comédies au programme des musicales du parc. Début juillet, l'inauguration de la tour d'observation permettra une vue panoramique imprenable à 27 mètres du sol. Et le 16 juillet, l'arrivée de la 14e édition du Tour de France, unique pour un parc animalier français.